J'ai pas de problème avec le lot. Je n'ai pas aimé que le lot manque le respect à Chantal Aïssi. Ça ne se fait pas. Si le lot me présente quelqu'un, je veux respecter cette personne. Et même si cette personne me blesse ou me fait du mal, par amour ou par respect pour la personne qui m'a présenté, je veux me retenir. Je veux avoir du retenu. Et il avait fallu, il fallait que le lot ait des retenues par rapport à Chantal Aïssi. Et d'ailleurs, quand j'ai fait ma première vidéo à la sur le lot, moi, je venais titiller le lot. Hein. Je croyais que le lot allait me dire que Valérie Amourou, c'est quoi? Tu es ma personne et tout. Mais quand j'ai vu, je veux sortir tous les secrets, j'ai dit, ah, donc on est en guerre. Je n'ai pas de problème avec le lot. Je suis juste en colère. Pas, si je vois le lot, je veux la saluer. Elle ne peut pas refuser de me saluer. C'est ma personne. Je n'ai pas de problème avec elle. Sur les réseaux sociaux, je n'ai plus de problème avec personne. On est vraiment, hier, j'ai vécu une journée très émotionnelle, une journée difficile. On a mis ma soeur sous terre hier. C'était très difficile pour la famille. Rien ne vaut la vie. Pourquoi pas faire la paix? Mais on peut être on peut être fâché d'une personne, mais j'ai pas de haine, je déteste pas le lot, j'ai pas de colère ton mari, paix à son âme. Deux lignes, ça ne coûtait rien, mais elle n'a pas fait ça. Donc, je ne vous conseille pas de parler d'elle ici. S'il vous plaît. Je n'ai pas de problème avec elle, mais je vous conseille d'éviter de parler d'elle dans mes directs. Voilà. Donc, n'oubliez pas, le 2 novembre, je serai avec mon fiancé à la soirée de Mafou. Et d'ailleurs, la paix vient. Et d'ailleurs, le direct que j'ai fait, non, ne m'appelez pas la mère, je n'aime pas. Appelez-moi Valérie. C'est quoi? Je vais vous raconter l'histoire de la Guinée. Vous venez, vous m'appelez la mère, pourquoi? C'est quoi? Une fois tu t'excuses, deux fois tu t'excuses, trois fois tu t'excuses, quatre fois tu ne t'excuses pas, je te bloque. Je ne m'appelais pas la mère, je n'aime pas. C'est quoi? La mère dans quoi? Donc, j'ai fait le direct avec Fleur de Lille hier, la paix est bien. Mais j'ai déjà eu deux contrats. On m'invite déjà d'aller chanter. Maman, donc le carrefour est fini. Ouais, le carrefour est fini. Jean-Pierre, je te demande de t'excuser, s'il te plaît. Si tu t'excuses pas, je t'enlève. Jean-Pierre, tu as encore une minute, hein, sinon je t'enlève. Tu as une minute. Ce sont les abeilles de Mafou, de ma copine qui m'ont gâté hier. Je bois ça ou je bois ça. Mais honnêtement, ça, je ne bois pas parce que ça donne l'envie sexuelle. La Guinness. Ça, la Guinness donne trop l'envie sexuelle. J'ai fait l'erreur de boire la Guinness jeudi passé. J'étais invitée dans un restaurant par un frère, un ami de longue date que je connais, qui m'a invitée à Paris dans un restaurant appelé Shinganou. C'est là que j'ai découvert qu'il y a beaucoup de Nganou. J'ai bu une grande Guinness parce que je suis sourde. Ça nous dérangeait. Minou nous faisait comme ça. J'ai dit, Minou, il y a quoi? C'est quoi? Calme-toi. Minou, Minou. Mais Jean, je vous dis la vérité, je vous jure, hein, au nom de la vérité, au nom de ma soeur qu'on a enterrée hier, la décision que j'avais dit que je ne binda plus est finie. Parce que j'ai un binda. J'ai un binda. Après, j'ai un binda le week-end.
La Guinness m'a fait réveiller le corps. Le corps s'est réveillé. J'aime Binda. Et je continue, je fais le Congo ça. Le pire, c'est que le gars là, il m'a Binda, j'ai gros joui. Donc, quand tu restes longtemps sans Binda, c'est comme ça. J'ai gros joui, j'ai joui. Il m'a pam, 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 pam. Il m'a. Maman, j'ai. Il m'a Binda, hein. J'ai joui même 20 fois. Je lui ai dit que garçon, je te respecte, mais bon. Après, il m'a Binda. J'avais envie d'un Binda, mais. Pas trop de calme. Il n'y avait pas trop de calme. Pas... Deux minutes, aka. Il m'a léché la chatte de. Toi, il y a Mano Sabil ou quoi. Je vous attends. Vous ne me souhaitez pas les condoléances, le tout, si vous allez me boire comme de l'eau. Tu m'as d'abord bloqué. Toi qui? Laurent Gré. J'étais bloqué, pourquoi? Tu t'appelles combien? Tu es la psycho de quel VC? Tu sors de quel champ? Tu es l'animal de quelle forêt? C'est pas méchant. Elle vient m'agresser que je l'ai. Mais j'ai envie de boire ma bière. J'ai beaucoup pleuré hier. J'ai eu mal hier. J'ai vu que la vie n'est rien. Ma soeur qu'on a enterrée hier, la fille, elle avait les moyens. Elle a épousé un monsieur hyper riche. Les maisons en France, les maisons au Cameroun, les maisons aux États-Unis, les maisons en Belgique, la fille n'est rien. Laissez-moi d'abord, pardon, laissez-moi boire ma bière. La vie n'est rien. Tu bois, tu meurs, tu ne bois pas, tu meurs. Piner, c'est piner. Il faut faire mouiller les femmes. Il n'y a pas de mouiller sec. Je suis une fille d'Ayene. Je ne suis pas parentée aux gens d'Ayene. Sauf si tu es un Voramouk. Si tu es un Vorondi. Je ne suis pas parentée aux Vorondi. Si tu es un Vorondi. Je ne suis pas parentée à toi. Ah bien, lui, Charles, remets-moi ma vie. Tu as volé ma vie. Non, je n'ai plus de vie. Oh, le petit là, il m'a bien. Richard. Élan, et non, ajoute élan. Et bois la musique. Ce sont les abeilles de Florchou. Richard, tu avais raison. Hein? Excuse-moi de t'avoir grondé. J'ai fait la paix depuis un an et demi avec Florchou. Tu avais raison. Excuse-moi de t'avoir grondé. À cet instant-là, j'étais encore bien fâchée, mais bon, on a fait la paix. Moi, je suis Voramou de Simalène. À Laurentine, Mbambangore, à Manyangwama. Je n'étais pas au courant. J'ai perdu ma salle, l'enterrement était hier. Tu n'as pas vu les vidéos. Richard, tu me souhaites alors les condoléances sur ta page. J'ai perdu ma soeur, je suis éprouvée, on est éprouvée. Dans ma famille, on a quatre deuils, mais c'est la vie. Paix à son âme, je vous jure, elle est morte, c'était ma soeur aînée, elle avait 52 ans, belle comme la lune. Belle comme la lune. La beautissime fille, maman. Non, c'était trop. Ce n'était pas bon. Ce n'était pas bon. Ah, Louis Charles, tu as des questions? On quitte ici. Louis Charles, tu as compris le Congo ça? Attends, je m'assois. Attends, je bois ma première verre. Quand j'ai gâté les pieds. Aujourd'hui, je n'ai pas de slip. J'ai mis, quand je fais pipi, je lave et puis je mets un peu de produit. Aujourd'hui, je n'ai pas de slip, t'inquiète pas. Je porte que le cycliste. C'est ma soeur qui m'a donné ça.
Elle croit qu'elle va encore lui remettre. Quand elle m'a dit Paul, elle ne sait pas qu'elle m'a dit Adou. C'est ma soeur qui m'a donné le secret. Elle dit que Paul, elle ne sait pas qu'elle m'a donné même. Donc, je disais que 20 minutes de vérité, Jade. 20 minutes de vérité, tu mens. Menteuse de ton état. Quand tu vas faire le direct, ou je ne sais pas quoi que tu vas faire, c'est là que tu vas dire qu'il y a Valérie Amourou qui a... Hey, je ne suis pas dans ton jeu sexuel. Je ne suis pas dans ton jeu. Je ne suis pas dedans. Mon ami personnel, Maurice. Hey. Mon ami personnel. J'espère que tu gnocques moins au Cameroun là-bas. Hein. Parce que je te connais. Avec ton plantain là. Ton plantain là. Écarte encore. Ça ne se voit pas. Et là, il nous ajoute, je n'écarte pas. Lui, Charles. Attends, je baisse un peu la radio, la musique. Lui, Charles. Lui, Charles. Lui, Charles. Bonsoir. Bon, rebonsoir. Tu es au courant? Maman, il y a les... Il y a les trucs en France. Et il y a les papillons. Ça, c'est la chance. Ça, c'est l'argent. Lui, Charles. C'était le papillon. Lui, Charles. Tu es au courant? Assieds-toi. Ne m'appelez pas maman. C'est comment? J'ai les enfants, Mohamed Diarra. Je suis ta mère, comment? Si j'enlève toutes ces choses, si je jette et que tu entres, tu me trouves comme ça, tu vas entrer ou tu vas sortir? C'est quoi? C'est même quoi? C'est quoi ça? Et tu? Va faire le ramadan. Bon ramadan. Donc, lui Charles, je reste comme ça, je me lève le matin. Il y a quelqu'un qui avait dit que chaque jour, il y a une nouvelle histoire. La personne n'avait pas menti. Pim, pap, pou, 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 propre. On est comme ça, on voit des trucs, des trucs, des trucs. Lui, Charles, tu as compris? Lui, Charles. Je te donne les indices au Yongo Bitola. Église Carlos Camini. Marlène Mvoutou, je te donne les indices. Et ton fils, tu parles de qui? Je n'ai pas compris. Tu n'as rien compris. Tu n'es pas au courant. Michel, tu vis sur quelle planète? Tu n'es pas au courant des infos de l'actualité. Les gens qui aiment se mettre en chômage, on va diminuer la durée de chômage, l'info du jour. L'info de la semaine passée, c'est Jérémy Sorel Njitap. Tu n'es pas au courant. Aïe, 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 aïe. Aïe, Richard, je n'aime pas ça. Je n'aime pas quand tu ne te connectes plus. Jérémy Sorel Njitap nous fait savoir que il est marié avec Laure Kamini m'a envoûté. Laure Njitap, ce n'est pas la fille de Papa Michou, hein. Papa Michou. Papa Mi. Laure Njitap. Laure Kadji. C'était qui? Anti, je veux faire le Congo. Ça me rate. Eh, le Congo, ça de la rue n'est pas bien. Elle s'appelle combien? Elle s'appelle. Longitap. Photo Njitap. Voilà. Joël Lago, tu ne comprends pas qu'elle n'ignore pas avec les Ivoiriens. Tu m'appelles pourquoi? C'est quoi? Tu m'invites en Côte d'Ivoire, je te dis que je ne viens rien.
Et tu m'appelles déjà là, c'est quoi? C'est quoi? Hein? C'est avec un Ivoirien. Il va falloir que cet Ivoirien soit un homme. Si c'est la qualité d'homme qui mouille là, je viendrai vous manquer le respect. Vous me connaissez, non? Joël Lago. Tu me dis, viens en Côte d'Ivoire, je t'aime. Hein, hein. Tu aimes qui? Louis Charles. Eh, Louis Charles, alors, avec le Congo, ça, sa femme a fait quoi? Bipez les voisins avant que je ne parle. Pardon, parce qu'elle ne veut pas mourir seule. Vous-même, vous allez mourir. On sera tous accusés. En passant, n'oubliez pas de passer la commande de Jansan chez moi. N'oubliez pas de passer la commande de thé bandant. C'est-à-dire que le thé, tu bois un thé et tu n'as pas besoin que la femme soit à côté. Mais le jour que tu seras avec la femme, ton corps va réagir. C'est pas comme, ce n'est pas du Viagra en fait. C'est un thé qui te purifie, qui t'amaigrit si tu veux, qui te fait perdre le poids. Et quand tu arrives comme ça, tu fais mouiller et jouir la femme. Et tu tiens longtemps. Parce que sexuellement, il y a des hommes qui partent 3 minutes, 4 minutes. 4 minutes ne fait pas, ne satisfait pas la femme. 5 minutes, 10 minutes non plus ne satisfait pas. Njitab, c'était un ancien lion indomptable. Il a joué à l'époque avec Justin Motoko. Justin Motoko. Il s'appelait qui? Puce qui? Allume Bouka. Serge Blanco. Mouzon. Njanka Beyaka. Et ton fils? Olembe et Tamé Maillère, Job Désiré, Patrick Mbouma. Ils étaient nombreux. Ne m'appelez pas la mère, Asambouama. Anti, ouais. Pourquoi vous aimez gâter mon existence? Pourquoi vous ne pouvez pas dire que j'aime Valérie? Pourquoi vous venez dire j'aime la mère? Il y a quoi dans le mot mère? Je n'aime pas le mot mère. Daniel, tu as 5 minutes pour t'excuser, sinon rip sur toi. Donc du coup, le mec s'est fait cocufier. Il s'est fait cocufier. Depuis qu'ils se sont mariés, Jérémy Sorel Njitab dit qu'il a 4 enfants et il n'est pas le père. Et sa soeur, l'écrivante des États-Unis de New York, est venue confirmer que il y a plein de choses même qu'elle veut dire. C'est chaud. Le bouillon est chaud. Le café est chaud. Le bouillon est chaud. Même le bobole est chaud. Le Congo est chaud. Tout est chaud. A fait Fosso Victor. Il a fait le test d'ADN. Oui! Le test d'ADN. C'est quoi ADN? Ah, ok. Le test d'ADN dit que... L'ADN dit que... Que tous les 4 enfants... Quelqu'un peut être mal piné comme ça dans son foyer. Tu es là avec la femme. Tu pines la femme, mais elle prend l'enfant, c'est quelqu'un d'autre. Je respecte les Camerounais. Au Cameroun, j'appelle Nganou, il vient m'aider à chanter. Le vrai Nganou, hein. Pas Nganou que j'étais au restaurant. Au Cameroun, personne. 4 enfants. 4 enfants. Un seul père. Dans un mariage. Maman. Leur photo. Hein, je te donne les mains. Prends que les coups chez toi. Valérie, Bambongore, c'est quel langage? C'est quoi? Valérie, chérie, je t'aime. Tu me bats, je fais quoi? Je te bats, tu cherches une... je te bats, tu cherches une voiture, tu montes,
Et tu fais moto, digo, moto, digo. Mais là où ça t'amène, tu t'en fous, tu pars seulement. Et là, on doit traiter les hommes parce qu'on a fait quoi? Parce que vous n'êtes pas fiable. Nous, les femmes camerounaises, nous sommes des blessés de guerre. Vous, nos frères camerounais, là, vous n'êtes pas facile à manipuler. Hein? Vous êtes des méchants, des trompeurs, des hirondelles. Vous mentez en amour, en fait. Vous ne nous dites jamais des vérités en amour. Vous nous mentez. Vous êtes insolent, vous êtes impoli, vous n'êtes pas respectueux, vous êtes infidèle. Oui. À chaque fois que je me suis mise avec un Camerounais, on dirait c'est un jumeau. Vous mentez. Ce que vous dites quand vous graguez, c'est pas ce que vous faites après la pine. Vous êtes que quand tu finis de piner une fille, l'erreur alors si elle a mouillé ou elle a joui. Mais le gigolo de maintenant, prudence. Ok, merci. Les gigolos de maintenant, c'est toi qui n'as pas les bonnes manières, c'est toi qui es insolent, c'est toi qui es infidèle, c'est toi qui ment, c'est toi qui es irrespectueux, c'est toi qui ne respecte pas la famille de la femme ni les soeurs de la femme. Et chez eux là, dans le football là, dans ceux-là qui font le boum boum, non, les footballeurs là, camerounais là, ou en fait, dans le football. Je ne sais pas si c'est camerounais ou internationaux, mais plus particulière, on dit particulièration, particulièrement, dans le football camerounais, ils se pinent les femmes. Vous comprenez, non? Ça veut dire que Gérard Photo peut facilement piner la copine d'Eto. À l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, mais c'était comme ça. Ils se pinaient les petites et ils ont des rancunes. Ils ont des rancunes entre. Je parle allemand ou je parle espagnol. Vous comprenez ce que je dis? Que entre eux là-bas, ils se. Tu étais là-bas pour savoir. Je t'ai déjà dit que je suis Radio Trottoir. Tu me méprises, donc tu veux seulement faire confiance la chaîne là même ça fait combien donc tu veux seulement faire confiance à TF1 ou bien à Canal 2 ou à Equinox ou bien à Vision 4 ou si à TV. Je te dis que je suis Radio Trottoir, les informations me viennent, je suis tranquille, couché. J'ai pas compris. Tu n'as pas compris quoi? Hein? Abeille chou, tu n'as pas compris quoi? Tu n'as pas compris quoi? Où est lui, Charles? Martino, si tu as un problème, il faut aller voir ton médecin, il va te soigner. Où est lui, Charles? Donc, depuis que je parle là, tu n'entends pas que je parle avec lui, Charles. Imbécile. Ce que tu as expliqué, je viens d'arriver. J'ai expliqué quoi? Je n'ai pas compris. Bonjour Valérie, Jésus t'appelle. Et on te dit que c'est aujourd'hui que je suis au courant. Jésus m'a appelé depuis. Je le sais. C'est lui ici qui vient me dire que Jésus m'appelle. Donc tu crois que j'ignore? Je ne reçois pas. Quand on a éliminé le Cameroun en Côte d'Ivoire, comme les rayons du soleil, vous vous êtes moqués de nous. Je ne reçois pas. Je ne reçois pas. Je reçois, je ne reçois pas. Tout le monde qui m'appelle la main va être bloqué à l'instant s'il ne s'excuse pas. Valérie, si Jésus voit, il lui comme Kalaba action. Laisse-moi, je ne comprends pas ton bicharabia. Déjà, moi-même, je ne parle pas français et toi, tu viens encore me trahir. Bonjour, monsieur Tom Pierre. Bonjour. Tom Pierre. Quelqu'un a une question? Donc, Charles. Okay. Lui, Charles.
C'est chaud dans la tanière. Tu sais que là-bas, dedans, dans la tanière, là-bas, il y a des coups bas. Tu comprends, non? Il y a des coups bas. Tu sais que quand ton fils a pris Banana Rigobert, il y a eu beaucoup de polémiques, non? Que Étoile a pris son que son frère. Ne me tâtez pas le ventre. Laissez mon ventre, je ne parle pas. Pardon. Je ne parle plus. Pardon. Master, allons seulement. Je ne parle pas avec toi, va seul. Je suis toujours bloqué sur TikTok. Du coup, il a perdu. Tu comprends? Tu comprends dans la compréhension? Maman, j'aime le Congo. Ça est entier. Bonjour, Delphine. Bonjour, Valérie. Bonjour. Tu étais là. Non, ne garde pas le nom de son. Que ce que je dis n'est pas vrai. Tu racontes quoi? Ou tu veux seulement appuyer que je parle? Donc, tu crois que ce que je dis n'est pas vrai? Les gens n'ont jamais aimé que son soit sélectionneur de l'équipe de Lyon. C'est ça que je dis. Va dire que c'est moi qui a dit. Et je dis et je confirme. Et là, on aimerait te voir ici en Côte d'Ivoire. Salut Prudence. Prudence, on te salue. Edine. Quelqu'un a une question. Tu dis que tu étais là. Vous connaissez même les dessous des choses. C'est chaud. C'est chaud à l'Assemblée nationale. J'allais dire, j'allais faire un autre concours ça. C'est chaud à la FECAFOOT. C'est grave chaud seulement. Tout ce que vous voyez là, vous croyez que parce que c'est très beau. C'est chaud là-bas. Valérie, tu vois nous. Parce que mes fanaux même ne me donnent rien. Je vous ai annoncé que lui, Charles a eu son anniversaire. Envoyez-lui quelque chose par moi, vous aviez donné quoi? Rien. Donc, je fais pareil, je ne vous donne pas. Vous êtes radins. Mes fans sont des radios, des radeaux. Vous êtes des radeaux, vous êtes radins. Quelqu'un a une question tout ici. Bonjour, Master. Ça fait longtemps. Bonne année. Ok. Gabriel, depuis que l'année a commencé, c'est maintenant que tu viens me souhaiter bonne année. C'est quoi? L'année a déjà commencé depuis longtemps, depuis From. Elle refuse mes salutations. Elle a dit oui, elle a salué. Juste qu'elle est fatiguée. On a beaucoup pleuré hier. Elle n'est pas bien. Allez-y, poser des questions, quitte ici. Quelqu'un a une autre question? Donc, je disais que j'ai fait l'amour le week-end. La Guinness n'est pas bonne. Ça m'a excité. Je ne bois plus la Guinness. Va là-bas. Puis, quand tu veux boire la Guinness, prends. C'est toi qui vas gérer ton corps. Nous sommes avec lui, Charles aussi. C'est votre problème, ça ne me regarde pas. Qui mange, ça dérange le direct. Il a quoi? Il a fait quoi? Il a dit quoi? Danus, c'est mon frère. Je n'ai pas suivi son interview, mais je connais un peu son histoire parce que on était voisins et frères. Mais il a voulu me binda, hein? Il m'avait menti. Il m'avait menti qu'il était le fils de Brouméran. Et j'avais déjà préparé le jeu le jour-là. C'était un dimanche. Je suis allée au marché, j'ai acheté un ensemble soutien à la friperie. Blanc, blanc. J'ai relavé, j'ai séché. Après, je suis partie au marché pour nous demander à mes cousines d'un fou. Il y a ma cousine, elle s'appelait Lily, il y a Lily, il y a Josiane, il y a Kanri. Mes cousines de Ndengon Kanri. Et je suis partie, j'ai demandé à Lily que tu connais Tanous. Il dit que mais c'est ton frère. J'ai dit, j'ai rendez-vous d'Mbinda avec lui. Alors que Tanous m'a menti que. Il m'avait menti à l'époque qu'il était le fils de Brouméran. Donc Tanous, c'est un incestueux. C'est mon frère, mais c'est un incestueux. Et il aime le Congo, ça. C'est ça qui m'éloigne de lui. Quand sa femme blanche, là, elle était venue, c'est Périne.
Elle était venue, une petite femme blanche, hein. Elle était venue à Maison Rouge. Il habitait chez Ndenge Didier. Allez, voilà. Il y a un père là qui est mort dernièrement. Et quand Antoine Bachot avait dit qu'il était son père. Dans nous habitait chez Ndenge Didier et Georgette, la fille du monsieur des Angales, voilà. Elle est gendarmette. Elle est comme ça en tenue. Dans nous voulait me sauter chez eux. Il avait une chambre dehors. C'est un incestueux, c'est mon frère. C'est là que je le déteste. Je n'aime pas les personnes qui font des choses comme ça. Il m'a menti qu'il est le fils de Boréméran. Et comme à l'époque, j'étais... À moins un, si je n'étais pas allée demander à mes cousines d'un fou qui vendait au marché Ekounou. Zebela, merci beaucoup. C'est pour cela que je vous aime dans le Congo, ça. La fille de Zebela. Le feu Zebela a une fille qu'on appelle Georgette. Il a voulu, tant nous habitait chez eux, à Maison Rouge. À Maison Rouge, il y avait les artistes qui habitaient là-bas. À l'époque que j'habitais, il y avait Aïdjo Mamadou, il y avait Dark Janvier, il y avait Josco l'Inquiéteur, il y avait Thanos. À l'époque, avant que je ne vienne en France, dans les années 99, Maison Rouge était, on comptait les maisons. C'était la forêt, 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 forêt. Je veux encore me raser ce soir. Réponds à ma question. Où est la femme de Louis Charles? Mais demande à Louis Charles lui-même. Je vous ai déjà dit que Louis Charles est un homme infidèle. Il y a quelqu'un qui a posé une question. Attendez, je veux vous lire. Je veux vous lire. Je vous lis. Je vous lis. Tu as suivi l'interview? J'ai suivi. Valérie, tu as vu le nouveau président du Sénégal? Maman! Le gars a 44 ans. Maman, j'ai vu. Je suis l'actualisation. Je suis l'actualisation, actualisement. J'ai vu, il a 44 ans. Il est ignoxable. Le président du Sénégal est ignoxable. J'ai vu. Elle a dit qu'il a été doté par toutes ses ex-femmes blanches. Il a dit, ce que je sais, ce que moi je sais, ce que la femme blanche là était venue l'épouser au Cameroun. Lui et moi, on avait voyagé presque dans les mêmes moments. La fille était venue le marier au Cameroun. Perrine, elle s'appelait Perrine. Après, je ne sais pas. Après, c'est la jalousie qui a fait qu'il perde la femme là. Parce qu'on avait monté un coup. La femme là est connade. Le connard de Guy Wassana a dit qu'elle est venue sortir avec moi pour avoir la notoriété et l'âme. Et l'âme dit, il n'y a pas un autre Congosa, Valérie. J'ai des Congosa. Reste là, ne parle pas. Pendant ce temps, au Cameroun, notre papa président a déjà 90 ans. Je te dis qu'avec le père Djifi, ou Djafi, le père Djafi, non, Djifi, Nyat Djifi, non. Il est bien. C'est-à-dire, même le bobo, le show est mieux. Non, c'est déjà trop. C'est déjà de trop. À un moment donné, il faut... Non, c'est trop. C'est trop, trop, trop. Non. Je veux t'épouser, Valérie. Tu es belle. On te dit que je suis... Je ne veux... Je n'ai pas de mari. Tu vas me... Demande-moi d'abord si je suis mariée. Posez-moi des questions, quitte ici. Le président du Sénat, il ne veut pas... Je dis que le président du Sénat, c'est lui qui me finit. Le père, là, c'est lui qui est malade. Et c'est lui qui est fatigué. C'est lui, parfois, il a les... il est en chaise roulant. Ah! Je préfère encore mon mari, Jean Momo de Dieu. Avec son gros vague, je préfère Jean Momo. Bonsoir encore, j'aime trop te voir avec les habits qui montrent... Le parti du corps. Je dois vous dire quoi? Puisque vous, les Camerounais, vous êtes que... Moi, j'étais resté ici. J'étais ma chose quelque part. Aline Zomembeme est venue vous dire qu'elle va vous raconter ma vie. Donc, les gens des réseaux sociaux connaissent ma vie. Je ne vous dis rien. Il y a quoi? Pardon.
En tout cas, mieux on ne parle pas. Moi, je veux voir mes enfants grandir. Est-ce que c'est méchant? Est-ce qu'on parle de la politique? On dit que Papa Ndjifindji est vieux. On dit que Papa Paul Biya est vieux, c'est pas méchant. Moi-même qui pars déjà bientôt à 50 ans, il y a des choses que je n'arrive plus. Nos papas là sont déjà fatigués, c'est pas méchant, je parle pas de la politique, je fais même pas de la politique. Je suis même pas intelligente. Je suis la fille la plus bête de sa génération, la plus illettrée. Mais nos papas la dérangent. Il y a des jeunes diplômés au Cameroun. Il y a par exemple elle s'appelle combien? La petite écrivaine Fotso là. On peut lui donner une bonne place. On peut la rappeler des États-Unis que vient diriger. Il y a beaucoup de jeunes Camerounais inscrits. Il y a des Camerounais qui ont des diplômes, qui ont fait des droits. Moi, j'ai vu Kaba Libi, c'est un mec très frais. Il est inscrit, en fait. J'ai vu. Il y a même des gars comme les Louis Chalon, quoi, comme ça, qui vont l'université. On ne sait quel jour ou quel moment ils sont en classe. On les voit seulement apparaître lundi soir ou mars. Il y a même des filles comme Prudence. Prudence a un docteur. Il est docteur. Prudence est docteur en droit. Prudence est docteur en droit. Il y a plein de Camerounais qui ont des diplômes en Europe. On peut les appeler. Que bon, venez, nous avions besoin des docteurs, des personnes inscrites qui on veut des postes. Mais comme, pardon, il faut que Dieu revienne pour refaire le Cameroun. Raconte-nous les choses, c'est ce qui s'est passé de dimanche là. L'amour que tu as fait. Tu étais là. Tu étais là. Louis Charles, comment va Valsérine? Toi-même, tu peux avoir un rôle. Mais bien sûr, je peux avoir un rôle ministre des Affaires inutiles et de Kongossa. On me donne le poste de ministre des Affaires inutiles et du Kongossa. Oui, j'ai géré ça. Ministre des Affaires inutiles. Aïe. Un bon rôle, ministre. Aïe, fever. David Kong et Lan Oizout, qui ne connaissaient pas Nash Fever, imbécile. Tu as connu réconciliation. Oh, les anciens bad, les anciens bad et les pots d'engrais marine bida. Nash Fever, on appelait Nash Fever, après on appelait Venus. On partait danser avec ton mauvais, mauvais, avec ton mauvais. Ou bien, you love to me, you love to me. Richard, Nat Fever, c'était quand tu quittes la chapelle Mvorombi, quand tu montes pour aller en Colindongo, non? C'était juste en face de la route qui va à Kondanki. C'est devenu l'église à la. Une fois j'étais au Cameroun, je guette comme ça, je vois déjà l'église avec les bafles. J'ai dit, dans l'angoisse, la personne qui a posé la question là me connaît. Moi, j'assume tout. Moi, je partais à Nat Fever. J'étais jeune. Je partais danser là-bas. Mais là-bas, il y avait les filles qui faisaient la prostitution et les gens qui agressaient. Oui, il y avait la prostitution et les gens qui. C'était un milieu de. I don't speak Dutch. I speak English. Tu n'opères pas aussi le nez. Et là, je vais où avec. Mon nez est bien. Mon nez est très bien. Je perds mon nez. J'opère mon nez. Qu'est-ce qui s'est passé? Que qui est mort? Pardon. Rien de moi ne sera jamais coupé. J'ai tout intact. Allez-y poser des questions, on quitte ici. Ça ne te dit pas aussi de faire la chirurgie. Je ne suis pas complexée. Je ne suis pas complexée. Allez-y poser les dernières questions, dis donc.
Je vais aller ignorcer. Et tu... Ils ont dit quoi au forum? Non, le Congo ça n'est pas fini. Tu veux quoi comme Congo ça? Bien sûr que je laisse tomber. Tu croyais que je ne laissais pas tomber? Mais j'étais, au moins, je suis libérée. Je t'ai dit ce que j'avais à te dire. Ça ne se fait pas, mon cher ami. Je ne suis pas parfaite, je ne suis pas un ange, mais il y a des choses qu'on... Allô? Oui. Tu sais que tu m'énerves. Je t'ai dit que je t'aimais. Et comme je t'ai dit que je t'aimais, tu joues déjà avec ça. C'est ce que je n'aime pas. Je t'ai dit que je t'aimais, que j'éprouvais les sentiments pour toi. Pourquoi tu joues comme ça? Pourquoi tu joues mal? Oui, je t'écoute. Attends, je baisse le volume. Oui, vas-y, chef. Pourquoi tu as une belle voix aujourd'hui comme ça? Ok. Toi-même, redouble Zambouama. Moi-même, je suis en train de prendre la musique. Non, attends, on va doucement. Je ne t'ai pas dit que je t'aimais. Réponds oui ou non, je ne t'ai pas dit que je t'aimais. Hein? Quand tu m'as pris à l'envers, tu m'as pris à gauche, tu m'as pris à droite, tu m'as fait jouir combien de fois? Tu m'as fait jouir même 20 fois. Tu rigoles, lent. Je ne t'ai pas dit que je t'aimais. Pourquoi vous êtes méchant en amour comme ça? Tu vas entrer en guerre. Ah, maman, la seule chose qui inquiète, je suis sûre que tu as compté le nombre de fois que tu m'as fait jouir. Tu as compté, c'était combien? Ah, je n'aime pas le mot là, c'est trop vulgaire, c'est quoi? On ne dit pas ça. Hey, il faut éviter, ce sont des villageois qui parlent, qui disent baiser. On dit faire l'amour, c'est quoi? Tu es un villageois pour dire on a baisé, c'est quoi? Voilà, on dit faire, parce que ce qu'on a fait là, ce n'était pas la baisse, c'était l'amour. Voilà. Voilà, c'est pas méchant. Voilà. Quand on baise, on ne paye pas les sentiments, mais là, on a fait l'amour. Voilà, tu confies. Je te rappelle. Je te rappelle. Bois ton verre tranquille, je te rappelle. Même pas dans 20 minutes. À tout à l'heure, chef. Chef du de la cave, monsieur Caveur. Monsieur Caveur, à tout à l'heure. Hein? À tout à l'heure. Oui, il y a gars et gars, non, ok, je te respecte, c'est pas méchant. Je t'ai dit que je te respecte, non, il y a quoi? Tu sais que je suis que quand un gars me binda mal, je commence à lui manquer le respect, genre. Je t'ai dit. Les gens qui font la pub là, ils s'emmerdent, hein. Il y a quoi? Vous croyez que je suis renfermée comme vous? Moi, je suis une femme ouverte. Je suis revenue vous dire que j'ai levé la décision. Comme je vous avais dit que je ne binda plus. J'ai recommencé à binda. Et à quoi? C'est vous qui me devez la respiration. Que si vous lâchez, je veux mourir. Je vis ma vie. Vous allez me faire quoi? Bonjour. Bonjour, papa Promo. Comment tu vas? Vous croyez que moi, j'ai peur de vous. Je vous dis ça. J'avais décidé de ne plus binda. J'ai recommencé à binda. Il y a quoi? Je veux mourir, quoi. Depuis qu'on m'a annoncé le deuil de ma soeur, j'ai dit que, hey, pardon, je voulais même laisser quoi? Ça faisait 3 mois que je n'avais pas binda. J'ai binda. Il y a quoi? C'est mon gars, hein. Un gars avec qui je suis. J'étais. J'avais mis le coup d'arrêt. Mais j'ai dit, bébé, viens, on arrange nos problèmes. Il y a quoi?
Combien coûte ta gamme? Il faut appeler, ça dépend du pays. Vous êtes où? Vous êtes en France, le produit du Cameroun ou de la France? Ok, bah papa, pour moi, il n'y a pas de souci. Hein. Mais Jean, l'autre qui vient parler l'anglais, là, il dit quoi? Parce que je vois, You were in quoi, une black today, beautiful woman. Ça veut dire quoi? Il voulait dire quoi? Tu bois combien de bières par jour? Non, je ne bois pas la bière. J'aime la musique. Même quand, vous pouvez demander à Billy Sonia ou bien Suzy l'Intouchable. Quand je suis au Cameroun, ou les gens qui, ma famille, je bois, quand je suis au Cameroun, je bois la mythique. Et hier, ce sont les abeilles de Fleur de Lys qui m'ont offert la mythique. J'ai voyagé avec, c'est dans mes valises. Donc, j'aime la mythique. Si je ne bois pas la mythique, je bois la Guinness, mais occasionnellement. Ce n'est pas des bières que je bois tous les jours. Attention, je ne suis pas alcoolique. J'aime boire chaque jour, mais je ne suis pas alcoolique. Je contrôle mon taux d'alcoolistisme. Je sais quand ça doit aller. De la France. Prenez le numéro 07 74 07 58 44 11 15. Appelez pas appelé. Allez-y, posez des questions. I have the times in English. J'ai le temps. I have the times. Today, I have the times. In English. Tu es rentré du travail? Non, je n'ai pas travaillé. Je n'ai pas travaillé. Je veux vous dire, en France, on a beaucoup de systèmes. On peut travailler le soir, on peut travailler le matin, on peut travailler la nuit. Parfois même, les Blancs, ils savent. On peut avoir son kaolo et passer à côté. Vous comprenez quoi? Je parle anglais ou je parle allemand? Je parle allemand ou je parle français? Donc, ne restez pas trop sur que il ne travaille pas, il ne fait rien. Laissez ça. On est dans un pays très compliqué à expliquer. Pourquoi vous aimez vous exhiber sur les réseaux sociaux? Pourquoi vous aimez vous exhiber? Je fais ce que je veux, je ne dois rien à personne. Je fais ma vie, j'ai pas d'explication à donner à qui que ce soit dans ma vie. J'assume ce que je suis et ce que je fais. Je m'exhibe, c'est mon problème. Je ne m'exhibe pas, c'est mon problème. Ça ne regarde personne. Mais comme dans la communauté africaine. Il faut aller là-bas, il faut aller à Envocada. Le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, c'est 678 61 13 90. Il faut aller à la boutique parce qu'on n'a pas les mêmes prix. On n'a pas les mêmes prix. Si vous êtes au Cameroun, prenez le numéro 78 13 78 61 13 90. Parce que peut-être qu'ils peuvent avoir les promotions là-bas et qu'il n'y a pas chez moi. Et en France, c'est 07 58 44 15. 11 15, c'est chez moi. Et il y a des mecs qui appellent pour draguer. Oui, ancien amour, comment tu vas? Ça va, mon bébé? Ça va, non, mon ex, tu vas bien? Tu étais où? Je ne te cherche. Je n'étais pas mis en fourrière, j'étais mis à la cave. Tu es enfermé là-bas. Bon, allez, bisous. Moi, ce sont mes ex il y a même 20 ans. Hein. Ne vous inquiétez pas. Moi, je n'ai pas de problème avec mes ex. Hein. On garde des bons contacts.
Celui-là, c'est celui qui était ancré pour la première fois. Dans... Il était ancré pour la première fois dans la boutique. Il a forcé la boutique. Il avait... Viens me donner un peu ma puce. Donne-moi quelque chose là. Et n'oublie pas de me soulever. Tu as lavé tes mains. Va d'abord laver tes mains, s'il te plaît. Parce que tu as touché plein de choses. Va laver. Voilà, voilà. Les dernières questions, je vais aller me coucher. Collège Montesquieu. Collège Montesquieu. Collège. Bon, je vais faire mon soin de visage. Je vais vous montrer.